chefs d'État des pays membres du G5 Sahel se sont réunis en session extraordinaire ce 20 février 2020 à N'Djamena afin d'examiner le fonctionnement actuel de l'organisation et de faire des recommandations urgentes en vue de sa redynamisation. On prit part à ce sommet les chefs d'État et de délégation ci-après. Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Son Excellence le Général Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République du Tchad. Colonel Major Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, représentant le président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Le sommet a également enregistré les participants et invités ci-après, M. Imdago Eric Thiaré, secrétaire exécutif du G5 Sahel, M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et président du comité de pilotage opérationnel de l'Alliance Sahel, Mme Emmanuela Del Rey, envoyée spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, représentant M. Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission. M. Antonio Sanchez, envoyé spécial pour le Sahel du Royaume d'Espagne, représentant le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, président de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel. M. Jérôme Spinoza, adjoint au haut représentant de la coalition pour le Sahel. Les chefs d'État et de délégation ont échangé sur la situation actuelle du G5 Sahel dans un contexte socio-économique et sécuritaire difficile. Ils ont relevé avec gravité les conséquences de la crise politique et institutionnelle suite au retrait de la République sœur du Mali. Ils se sont félicités des efforts déjà entrepris pour assurer la pérennité de l'organisation et lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ils ont salué à cet effet la résilience du secrétariat exécutif et l'accompagnement des partenaires du G5 Sahel. Sur le plan sécuritaire, examinant le contexte dans les pays du G5 Sahel, les chefs d'État et de délégation ont noté que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'espace du G5 Sahel et dans sa périphérie demeure préoccupante en dépit des efforts consentis. Les chefs d'État et de délégation ont réitéré leur ferme condamnation des attaques récurrentes visant les populations civiles, les forces de défense et de sécurité, les infrastructures économiques et exprimé leur solidarité à toutes les victimes du terrorisme au Sahel. Ils ont réaffirmé leur attachement à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'espace du G5 Sahel. Les chefs d'État et de délégation ont réaffirmé leur détermination à poursuivre solidairement la lutte contre le terrorisme dans le respect des droits humains, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés, à travailler à la réinstallation des populations déplacées et à accélérer le retour de l'État dans les zones sécurisées. En outre, ils ont insisté sur la nécessité de promouvoir la solidarité entre les États membres à travers les soutiens mutuels. Les chefs d'État et de délégation ont félicité les ministres en charge de la défense des pays membres du G5, les responsables militaires et le secrétariat exécutif pour la pertinence de leurs travaux sur le nouveau format de la force conjointe et son adaptation au contexte actuel. Ils ont exprimé leur ferme volonté de soutenir par les moyens appropriés cette nouvelle configuration de la force conjointe. Les chefs d'État et de délégation ont remercié l'ensemble des partenaires et amis du Sahel pour leur appui constant, dont la poursuite demeure nécessaire suivant des moyens et procédures tenant compte de l'urgence de la situation. Les chefs d'État et de délégation ont pris note des difficultés de fonctionnement du dispositif de défense et de sécurité du G5 Sahel, prenant en compte le renforcement des capacités des acteurs avec des structures de formation que sont le Collège de défense et de sécurité, le Collège de défense du G5 Sahel à Nouakchott, le Collège sahélien de sécurité jadis à Bamako et l'Académie régionale de police à Koundoum au Tchad, la collecte des informations et le partage de renseignements à travers la plateforme de coopération en matière de sécurité à Nouakchott et le centre de fusion des renseignements à Niamey, l'analyse stratégique et l'alerte précoce
avec le Centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce à Ouagadougou. Ils ont à cet effet instruit les instances appropriées du G5 Sahel, notamment le Conseil des ministres, le Comité de défense et de sécurité et le secrétariat exécutif à travailler à redynamiser ces deux membres. Sur le développement, les chefs d'État et de délégation ont été informés de la proposition d'une nouvelle stratégie de développement et de la sécurité des pays du G5 Sahel et du nouveau programme d'investissement prioritaire 2023-2025 qui sera soumis au prochain Conseil des ministres. Ils ont relevé à cet effet la nécessité d'adapter les différents documents stratégiques et opérationnels aux réalités actuelles de l'organisation. Ils ont par ailleurs souligné l'importance de consacrer dans cette dynamique l'approche territoriale définie dans le cadre d'action prioritaire intégrée CAPI du G5 et de travailler à une bonne implication de l'ensemble des parties prenantes dans la démarche. Les chefs d'État et de délégation se sont félicités de la poursuite par le secrétariat exécutif des projets visant la lutte contre la COVID-19, les conflits, les changements climatiques, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la résilience des entreprises et des collectivités locales de l'espace G5 Sahel. Ils ont salué les partenaires ayant contribué à la formulation des 10 projets. Ils ont par ailleurs rappelé leur engagement à concrétiser les projets structurants et stratégiques renforçant l'intégration régionale et la création d'opportunités dans tous les domaines. Ils ont invité le Conseil des ministres à prendre les dispositions pour poursuivre les projets de chemin de fer et de la compagnie aérienne du G5 Sahel. Sur la redynamisation de l'organisation, les chefs d'État et de délégation, après examen du rapport du secrétaire exécutif, ont pris acte du retrait du Mali du G5 Sahel et réaffirmé leur volonté de préserver et de consolider cet important cadre de coopération et de coordination entre les 4 pays. Les chefs d'État et de délégation donnent mandat au président en exercice de poursuivre toute initiative dans le sens du renforcement de cette coopération. Ils demandent par ailleurs à ce que des échanges se poursuivent avec la République sœur du Mali. Les chefs d'État et de délégation ont par ailleurs instruit le Conseil des ministres de tenir diligemment une session du Conseil des ministres à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, pour assurer la continuité du fonctionnement de l'organisation. Les chefs d'État et de délégation ont insisté sur l'importance de la mobilisation de la communauté internationale aux côtés des pays membres et ont lancé un vibrant appel à l'implication et l'engagement de tous les partenaires pour soutenir la nouvelle dynamique. Les chefs d'État et de délégation saluent et appuie l'initiative d'évaluation stratégique conjointe du secrétaire général des Nations Unies avec les commissions de l'Union africaine, la CEDEAO, le secrétariat exécutif du G5, destinée à harmoniser la perception de la situation au Sahel et à cibler les demandes d'appui aux partenaires placées sous l'égide de son Excellence Mahamadou Issoufou. Les chefs d'État et de délégation saluent l'engagement de la communauté internationale, notamment l'Union européenne, la Coalition pour le Sahel et l'Alliance Sahel, à accompagner les efforts des pays du G5 Sahel et l'appel à rehausser son soutien à la hauteur des enjeux de sécurité du développement. Il se félicite de la révision de la feuille de route de la coalition qui tient compte des nouveaux contextes. Les chefs d'État et de délégation ont exprimé leur profonde gratitude au président de la République du Tchad, au gouvernement et au peuple tchadien pour l'accueil, l'hospitalité et l'attention dont ils ont été l'objet tout au long de leur séjour à N'Djamena. Les chefs d'État et de délégation ont félicité leur frère, son Excellence, M. le Général Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République du Tchad, président en exercice sortant du G5 Sahel, pour ses efforts et les résultats obtenus durant son mandat à la tête de l'organisation. Les chefs d'État et de délégation ont décidé que la présidence en exercice de l'organisation sera assurée par son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Les chefs d'État et de délégation ont décidé par ailleurs de tenir leur prochain sommet ordinaire à Niamey, en République du Niger, fait à N'Djamena le 20 février 2023 pour la conférence Son Excellence,
Monsieur le Général Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, président en exercice sortant du G5 Sahel.